Et bonjour à tous, c'est Béronard et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous annonce tout go la création d'une nouvelle chaîne. Je pratique la musculation depuis à peu près une trentaine d'années et après environ 5 ans d'inactivité, je m'y remets maintenant. Pourquoi une deuxième chaîne et pourquoi une chaîne sur la musculation ? Je pratique la musculation depuis à peu près 30 ans et j'aimerais vous faire partager ma passion et les petits trucs que j'ai appris pendant ces 30 ans. L'autre raison également pour faire ces vidéos, c'est d'avoir un journal sur mon développement et sur ce qui va se passer. Les objectifs en faisant ces vidéos sont multiples également. Une des raisons, c'est pour vous motiver également à faire du sport, pas seulement la musculation, mais d'autres sports. Je voulais également vous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à faire du sport, y compris la musculation. Et le dernier objectif, il est physique. Physique, c'est-à-dire, on va perdre un petit peu du ventre, on va gagner un peu des muscles, on va sécher un petit peu, là je me suis un peu empâté. Et également au niveau des performances, puisque j'étais arrivé à un certain niveau, je faisais de la compétition de force, et non pas revenir au niveau auquel j'étais à 30 ans, ça, faut pas se faire trop d'illusions non plus, mais à revenir à un certain niveau. Au début, donc les premières vidéos, vous allez avoir des exercices sur les différents groupes musculaires, et par la suite, vous aurez diverses séries sur, par exemple, la nutrition, sur les compléments alimentaires, ce genre de choses. Alors, combien est-ce que vous allez avoir de vidéos par jour, par mois, par heure ? Eh bien, vous allez avoir, au début, une vidéo par mois. Je pense peut-être passer à une vidéo toutes les 3 semaines par la suite. Alors, il faut que je vous explique que ces vidéos sont assez longues à tourner. Donc, il y a pas mal de facecam comme ça et il y a beaucoup de, de déchets. Donc, je suis obligé de tourner beaucoup pour avoir 5 minutes de vidéo. Donc, ça me prend beaucoup de temps et ça me prend plus de temps que les vidéos que je mets sur ma chaîne gaming. Alors, on arrive tout simplement sur mon autre chaîne, sur ma chaîne gaming. Donc, quel est son avenir ? Bien entendu, cette chaîne va continuer à vivre. Mais à terme, je pense qu'il n'y aura plus qu'une ou deux séries, deux ou trois séries dessus. Une série multi, donc que je joue avec les copains. Une série sur un jeu solo. Donc après, je ne sais pas trop quel jeu encore. Et peut-être une autre série, deux séries multi et une série solo. Comme je vous expliquais, les vidéos sur cette nouvelle chaîne me prennent beaucoup plus de temps à tourner et également à monter, ce qui explique que y a une partie de mon temps qui va être passée sur cette nouvelle chaîne, il faut bien que je l'alimente, il faut que je la fasse vivre, et donc une partie de mon temps étant sur cette nouvelle chaîne, il sera forcément pas sur la chaîne gaming. Maintenant, on va parler des vidéos qui sont encore en cours sur ma chaîne gaming. Alors, bien sûr, Arc Vanilla va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait fait la Tekev en alpha. Donc, on va encore faire tous les boss en alpha et la Tekev en alpha. Ensuite, ou en même temps, ça va dépendre un petit peu de là où on en est, on va partir sur la nouvelle map qui va sortir le 6 novembre, Extinction. Alors, il y a aussi dans les cartons du Arc modé, et je pense que ça, ce sera peut-être la dernière série Arc que vous aurez. Bon, à moins que le jeu évolue encore de manière spectaculaire, donc à voir. Par rapport à Conan, donc, je me suis légèrement arrêté sur Conan solo, je parle. Ça va reprendre. Le Conan multi, donc on a tourné avec Mitsu, Mitsu et Arc. Aka et Skell, la dernière vidéo, donc je vais bientôt la monter pour vous la présenter. Donc, Conan multi va se terminer sur le dernier épisode qui est déjà tourné, et Conan solo va continuer encore, je pense, quelques épisodes, le temps de découvrir le Grand Nord et de faire les quêtes qui restent à faire. En ce qui concerne Skyrim, les vidéos ne rencontreront pas le succès escompté, donc je pense que je vais arrêter cette série. Enfin, vous aurez le grand retour de Far Cry 4, je vais terminer cette série, je pense qu'il reste quelques épisodes à tourner, donc je vais les tourner. On va finir cette série. Dans les cartons, j'ai Far Cry 5, j'ai Assassin's Creed Odyssey, le dernier. Ce sera à vous de voir. Je vous proposerai en temps utile les différents jeux qui m'intéressent. Et ce sera à vous de voter éventuellement pour me dire lesquels vous intéresseraient de voir sur ma chaîne. Wreckfest va continuer de temps en temps. Donc ça, c'est plus, je me défoule un petit peu là-dessus. Et je tourne en même temps, donc je vous présenterai de temps en temps un épisode Wreckfest. De temps en temps également du Dead by Daylight avec les copains. Donc ça c'est pareil, on les tourne le soir généralement et je vous les présente de temps en temps. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'annonce de cette nouvelle chaîne, du devenir de ma chaîne gaming. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, les petits pouces bleus, des commentaires et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao.